million cars. Last, last, now everybody go to our breakfast. Shayo. To discuss, cause I did win by default, and without any doubt, oh, I'm a me happy adult, oh, and I could feed. Donc voilà, coucou tout le monde, c'est Grissi. Et donc aujourd'hui, bah, je pars au Portugal, je pars en vacances, je pars le soir, mais là, si vous avez regardé ma vidéo préparation et tout, vous savez que là, je dois aller faire mes ongles de pied. Je ne veux pas vous montrer mes pieds parce qu'ils sont tellement moches. Vous allez faire mes ongles de pied. Je dois aller chercher un chargeur, je dois chercher une crème pour ma copine. Je sais même pas si je vais la trouver parce que le packaging, je l'ai jamais vu de toute ma vie. Chercher mon petit parfum, parce que je vous ai dit, hein, j'ai le moyen, mais j'ai pas le tout petit. Et après, bah, j'allais rejoindre ma copine chez elle. J'ai fait mon scrub. Voilà. Les vrais savent. Regardez ma vidéo de préparation pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et ouais, j'ai fait mon scrub. Mais j'ai un teint de fou malade. Et voilà, aujourd'hui je suis trop heureuse. Vous avez vu, j'ai des avions de fou chez moi. J'ai des avions de fou. Frère, le truc on dirait il est avec moi. Putain. Bref, tout ça pour dire que j'allais faire les courses. Et puis après, bah, j'ai déjà fait ma valise et tout. Mais elle travaille. Toujours la vie, elle est trop dure. Elle est partie travailler. Donc bah, c'est quand elle a fini le travail. Et donc ma petite jupe encore. Avec mes claquettes. J'ai lavé mes claquettes. Elles sont plus jolies que hier. Enfin, elles sont toutes blanches maintenant. Juste sur l'intérieur. Putain, il y a un bruit. Sur l'intérieur, bah, c'est pas très propre. Mais enfin, c'est pas très propre. C'est toujours un peu gris. Mais sinon, tout est parti. Donc, c'est bien. Ça se lave facilement au moins. Et voilà. Et je vais faire mes ongles là. Je sais pas quelle couleur. J'hésite à faire vert, mais vert, ça fait trop. Ouais. Ça fait trop. Donc, je crois que je vais faire rose. Et voilà. Et je m'en fous complètement de filmer parce que, girl, today is my fucking day. J'arrête de dire fucking, c'est un gros nom, c'est un vilain mot. Anyway, bisous. J'avais complètement oublié que mon doigt de pied, enfin mes deux doigts de pied, pas qu'un seul, les deux, bah ils plient pas en fait. Ils plient pas du tout, du tout, du tout. Ça plie pas. Et donc je savais pas du tout. Enfin, le monsieur il savait pas non plus. Et c'est quand il touche mes pieds, déjà j'aimais trop comment il touchait mes pieds. Je suis bizarre, mais j'avais jamais fait avant, tu vois. Et c'était agréable. Enfin, j'ai bien aimé. Et en plus, j'avais scrub mes pieds aujourd'hui. Donc, ils étaient tout doux. Mes pieds, jambes, c'était tout doux, c'est tout. Anyway, en fait, j'avais mal à la jambe quand il pliait mon. Enfin, quand il attrapait mon pouce des pieds. Parce qu'il n'y a que mon pouce de pied qui ne plie pas. Et de mes deux pieds. Et en fait, il ne comprend pas, tu vois. Tu connaissais. Il est asiatique et tout. Enfin, il comprend français, mais tu connais. Et donc, moi, je lui explique que ça ne plie pas. Ça ne plie pas, ils ne comprennent pas. Et de là, je me rappelle que dans ma main aussi, ça ne plie pas, tu vois. Il y a un des doigts qui plie, mais l'autre, ça ne plie pas. Et donc, je lui montre que ben, mon pouce, il ne plie pas, quoi. Tu vois, je lui montre que ça ne plie pas. Ça ne plie pas. L'autre, ça plie. Celui-là, ça ne plie pas. Et donc, je lui montre et tout. Et il amène tous ses camarades et tout le monde est en train de regarder mes pieds. Et mes mains. Tout le monde est en train de regarder mes pieds et mes mains. Bref, je suis passée pour une idiote. Et ça m'a bien fait rire, mais j'avais hyper mal. J'avais hyper mal juste à mon pouce. Hein. Quand c'était mon pouce, je tenais ma jambe parce que tout était trop tendu. Et donc lui, il reculait. Enfin, il a fini par reculer parce que ça allait vraiment pas du tout. Ça allait vraiment... Genre, quand il attrapait mon pouce, tout le reste, je bougeais pas. Hein. Je connaissais, je tirais la douleur aussi quand même. Dès qu'il attrapait mon pouce, j'arrivais plus. J'arrivais plus parce que c'était... Mes jambes, c'était tendu. Bref, là j'ai faim, je vais me prendre un truc à manger et à boire. Puis après, on va aller chercher le truc de ma copine et un chargeur. Et donc voilà, me voilà avec ma petite valise, mon petit outfit et tout, mon pull, je l'ai mis dans la valise. Normalement, je suis en train de changer de valise. Je suis changé de valise, mais bon. On verra. Got dope like Pablo. Cut dope like Pablo. Cut dope,
savage. But I'm still a gentleman in Cali. Static, nigga turn them in about the cabbage. Kill this whole family if you run up with the package. I just put it back when I'm with a Bogota. Fuck his ass out, and I'm telling what he saw. When I watch y'all, I don't know if he'll talk. Watch y'all chainsaw and I'ma saw our legs off. They know that we're a gang, but they said that we're a ring. Investigating, taking pictures of the whole team. I'm a couple trying to do a sting. 10 mil on a plane, going straight to Medellin. Trapping like the narco. Narco. Got dope like Pablo. Pablo. Cut dope like Pablo. Cut dope. Chop trees with the Draco. Draco. On and off, got Diego. Diego. Say Ash de la Wego. La Wego. We'll be in rapping Kilo. Yeah. Snub nose with potato. Hey. Cold gang with the cocaine. Cold. The more money make more rain. Right. Going up a pan while I'm back in propane. Dang. Point blank range, give a nigga nose range. Skip to my loo with the pack and the cat. Jiffy. Loo with the bricks, where they at? Where? Drippin' ooze, the paddock all wet. Birds in the truck, they ain't leaving out the nest. Get five face set like milk. Yup, running with the pack, got slip. Hands in the cookie jar, cut his finger off. Nigga being greedy, we gon' cut his tummy out. 100 bricks on the road, took a couple routes. Flush mama house, her man's infinity couch. I ain't really with the razzle dazzle. Knock him out, but then I throw him off the boat paddle. Go to Tijuana, put the kilo on the saddle. Sack him, hit a lick and cop a pterodactyl. Pap him, chop a bite down like an apple. Match him with the acres, with the horses in the cattle. Like the narco. Narco, got dope like Pablo. Pablo. Cut dope like Pablo. Chop trees with the Draco. Draco. On and off got Diego. Diego. Say hasta luego. Luego. We'll be in rapping Kilo. Yeah. Snub nose with potato. Voilà. Welcome to Portugal. Obrigado, obrigada. C'est tout ce que je sais dire, wesh. Non, je sais dire não, obrigado. Mulher. Homme, donc ça c'est femme, homme. Je veux dire fouedes. Je veux dire quoi? Fouedes, c'est bien. Putain. Ah! Moi je veux dire fecha porta, leche. Leche c'est un lait, mais c'est pas portugais d'ici, portugais du Brésil. Bref, on est arrivé, c'était bien. On a trouvé. On a pris un Uber de Faro jusqu'à Albufeira. Et voilà. Et je vous montre la chambre demain parce que voilà. Ouais, la chambre de quelqu'un. Bon, le vol c'était beau pour moi en tout cas. Et moi c'était bien, j'étais à la fenêtre et tout. Vous avez vu. Et mais les chaises. Ah. Les sièges. Ah. Ryanair, hein, quand on prend moins cher. Ça, hein. Quand on prend moins cher, c'est moins cher. Je te jure. Et... Je te jure. Ah, c'était même pas des chaises, c'était des. Tu vois, les chaises pliables là. Bah, c'était bien. Et la madame de l'hôtel, bah, elle est très gentille, elle parlait français en elle plus. Elle est très gentille, t'as vu, elle était gentille. Oh, arrête. Hein. Si, elle était gentille. Elle, ouais. Elle parlait français. Mais l'anglais, c'était dur en début. Ouais, c'était ouais. Chaud pour elle. C'était chaud. Qu'est-ce qu'il a? Mais je comprends pas, lui aussi, le monsieur aussi parlait français. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui parlent français ici. On s'en fout, nous on parle pas français. On parle pas français? Non. Pourquoi on fait reparler assez français en Belgique? Incroyable. C'est beau, hein. Là, on regarde ce qu'on va faire pendant la semaine. Je vais me remettre en question. Pourquoi? Là, t'es en train de parler. Tu me remets en question dans ta vie? Je te jure. Tu regardes comme ça et tu te dis putain, c'est quoi ma vie? Je te jure. De fou. En plus, j'ai trop envie d'aller dans la grotte là. Ah ouais? Ouais. Parce que c'est vu, c'était pas cher. En fait, comme j'ai vu ça hier, je me dis, ah, si toi, tu me dis que c'est un truc bien, c'est que c'était pas de la douille, tu vois. Ouais. Et donc, ouais, on regarde pour aller dans des beach clubs et dans des grottes et tout. Bref, vous verrez ça. Nous-mêmes, on sait pas, mais vous saurez avant nous. Et. On va tout savoir ensemble. Voilà, tout savoir ensemble. Et ça va, il y a une piscine. On verra tout demain. C'était pas ouf, quoi. Enfin, il y a pas... Je vous montrerai la chambre, je vous montrerai un peu où on est, genre un peu tour et tout. Je voulais montrer là tout à l'heure, mais... Ah, je peux pas. On voyait pas les palmiers dans le noir et tout. Donc, demain, c'est elle. En fatigue, c'est... Ouais, du fou. Mais ça va, moi, je suis pas fatiguée. Ah, non. Je suis fatiguée pour vous, t'inquiète. Et donc, voilà. Tu veux quoi? Dans la chambre. Ah. Tu vas dormir, c'est tout. T'habiller, mettre du maquillage. Ouais, de fou. Peut-être que je vais vous montrer ça, je vais laver mon visage. Et puis voilà. Et du coup, on se dit à demain alors. Un pato que va cantando alegremente, quoi, quoi. Quand se encuentran en dos gatos, miau, miau.
para cantar bossa nova.